Environ du total de la dette congolaise. Hier, lors d'un entretien téléphonique, le président Denis Sassou Nguesso a proposé à son homologue chinois un rééchelonnement de celle-ci, ce que Xi Jinping a accepté, d'après le ministre congolais des Finances qui a assisté à l'entretien. Brazzaville, qui tente en ce moment de montrer qu'il fait des efforts, notamment en direction du FMI, afin que le Fonds monétaire international consente à débloquer des prêts. Et cela a donc été également la tonalité du discours de politique générale hier du nouveau Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, un peu plus d'un mois après sa nomination. Jeanne Richard. Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a détaillé les 12 grandes batailles que compte mener son gouvernement. Il a notamment reconnu l'ampleur des difficultés financières du pays. Nos difficultés financières, aggravées par la crise sanitaire, ont alourdi notre dette et réduit nos capacités à en assurer le service. Il nous faut donc tout mettre en œuvre pour rendre la dette publique soutenable. Notre dette s'élève actuellement à 98% du PIB. Notre objectif est de la ramener en dessous de la norme communautaire de la CEMAC, fixée à 70% du PIB. Il prévient déjà les Congolais qu'il faudra de la patience et de la résilience. Et pour Clément Mirassa, président de la Fédération de l'opposition congolaise, si ce discours va dans le bon sens, il faut encore le concrétiser. Il ne s'agit pas de faire des déclarations d'intention, il s'agit de prouver qu'ils reviennent à l'orthodoxie financière et qu'on s'occupe sérieusement de ceux qui ont détourné l'argent dans ces pays parce qu'ils sont extrêmement nombreux et ils ne sont nullement inquiétés. Le Congo est dans le top 10 des pays africains les plus corrompus. Depuis 2009, on fait des discours et rien n'avance. Donc nous sommes très sceptiques. De son côté, le porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, assure que le gouvernement saura convaincre les partenaires internationaux, dont le FMI. Jeanne Richard, l'Union européenne dit noter des progrès. C'est pour la première fois qu'un chef d'État chinois s'entretient avec un chef d'État africain par téléphone depuis le surgissement de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. Ce qui traduit à tout point de vue la place de choix qu'occupe le Congo dans les relations entre la Chine et l'Afrique. Évidemment, l'accord de partenariat stratégique global entre le Congo et la Chine, signé en 2016, a dominé l'entretien ce lundi entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son homologue chinois, Xi Jinping. Un entretien qui s'est déroulé du côté congolais en présence du ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien Routier, du ministre des Finances, du Budget, du Portefeuille Public et du ministre de la Coopération Internationale et de la Promotion du Partenariat Public-Privé. À propos de certains projets de construction des infrastructures, sujet évoqué par les deux chefs d'État, le ministre Jean-Jacques Bouyard répond. Il faut distinguer en ce qui concerne les projets avec la Chine, deux catégories de projets. Il y a des projets issus du partenariat stratégique, donc avec des financements chinois. Ces projets sont en cours, notamment le tour jumel, le centre commercial et d'autres qui sont en cours et qui se développent bien. Et on a d'autres en perspective. Il faut, en remplissant les conditions, on devrait pouvoir passer au numérique assez rapidement et faire la troisième phase de télécommunication et effectivement envisager la réhabilitation du chemin de fer. Mais il y a des projets purement congolais que les sociétés chinoises ont gagnés après une consultation internationale et ces projets effectivement subissent un peu le poids du ralentissement économique du pays. Dans le cadre du partenariat qui lie les deux pays, le Congo a déjà reçu 300 000 doses de vaccins contre le Covid-19 en provenance de la Chine. D'autres doses sont attendues, a indiqué le ministre Denis Christelle Sassou Nguesso. Le premier don de vaccins était composé d'un lot de 100 000 doses que nous avons réceptionnées. Et il y a eu une deuxième dotation qui a été faite par la Chine, de 200 000 doses. Donc en réalité, nous pouvons considérer que la République populaire de Chine a gratifié le Congo au total de 300 000 doses. C'est que toutes ces doses, il faudrait bien que nous puissions les consommer parce qu'il y a un certain nombre de doses qui arrivent
en date de péremption à la fin du mois de juillet. On a près de 98 000 à 100 000 doses non utilisées. Et si les gens ne se vaccinent pas, nous allons devoir les jeter. Notons que la Chine célèbre le 6 juillet prochain le 100e anniversaire du PC, le Parti communiste chinois. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est invité par son homologue Xi Jinping à participer à cet événement qui se déroulera par visioconférence. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.